ce qui se passait en Afrique du Nord. L'arrivée de De Gaulle au pouvoir en France en mai 1958, à la faveur d'un putsch initié par les grands colons d'Algérie, a fait croire à ces derniers que l'Algérie restera éternellement française. Et pour cause. Le général qui a quitté sa retraite de Colombey les deux églises pour répondre à l'appel de la France encore une fois, a mis en branle tout l'arsenal militaire français et mis en place les stratégies militaires les plus développées pour venir à bout de la révolution algérienne. Preuve en est, les ratissages qui passaient au peigne fin, les maquis, qui avaient pour nom opération Jumelle, Pierres précieuses et autres, le renforcement des lignes Charles et Maurice et les réformes économiques. Ces manœuvres n'ont pas dupé les dirigeants du GPRA, il fallait les contrer. Afin de vendre son idée, De Gaulle décide de prendre son bâton de pèlerin et de sillonner l'Algérie le 9 décembre 1960. Son initiative n'est pas la bienvenue pour les colons d'abord. Les cortèges. De son côté, le GPRA lance le mot d'ordre d'Algérie musulmane et de vive le GPRA pour répondre aux deux idées de De Gaulle. L'affrontement était inévitable. Le 10 décembre à Belcourt, Belouizdad actuellement, des échauffourées éclatent entre les ultras de l'Algérie française et des jeunes Algériens musulmans. Le quartier de Belcourt s'embrasa, puis le clos Salambier avant que toute la ville ne s'embrase. Au cri d'Algérie musulmane et de vive le GPRA, les manifestants désarmés affronter les militaires et les compagnies républicaines de sécurité, CRS. L'embrasement gagnera les jours suivants d'autres grandes villes telles qu'Oran, Aïn Témouchent, Blida, Chleuf, Constantine et Annaba. Il en résultera un bilan macabre. 112 Algériens seront tués en 6 jours, dont 90 à Alger et 55 durant la seule journée du 11 décembre. Selon les versions françaises. Ces sacrifices. Je remercie et je salue le valeureux peuple de Chine dans l'immense courage. De sa tournée algérienne, il rentra bredouille et rien ne sera plus comme avant. De Gaulle, qui croyait s'accorder les faveurs du peuple algérien en adoptant certaines réformes politiques et lancer des programmes économiques à l'image du plan de Constantine, a eu la preuve du contraire. En investissant les rues des grandes villes en masse, jour et nuit, le peuple algérien a fait étalage, en bravant la peur, de son soutien au FLN-ALN et clamant qu'il n'a qu'un seul représentant, le GPRA. L'Assemblée générale des Nations unies vote base de son droit à l'indépendance et de son intégrité territoriale. USSR. Yes. Yes. United Arab Republic. Yes. Yes. United Kingdom. No. No. United States. De plus, des pays à l'image de l'Inde, le Mali et le Togo ont reconnu le GPRA et soutenu le droit du peuple algérien à la reconquête de son indépendance.
De Gaulle comprit dès lors que la seule voie à suivre est celle de l'indépendance. Il prit directement le contrôle de la conduite des négociations en s'appuyant sur le secrétaire d'État Louis Jox, qu'il a chargé de rencontrer secrètement le ministre des Affaires étrangères du GPRA, Saad Dahlan.